tout le monde, c'est Daphné Valsin. Bienvenue à vous si c'est la première fois que vous regardez cette émission. Et bon retour si vous êtes habitués toujours là avec nous. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous faites vraiment tout ce qu'il y a dans votre possible pour vous protéger et protéger votre famille en ces temps de coronavirus. De mon côté, vraiment, ma vie c'est tout. Mais nous, qu'on consigne déjà, c'est laver mes nous, quitter la distanciation sociale là et surtout porter masque nous. C'est l'émission d'aujourd'hui. Je vais prendre le temps de saluer tous ceux qui m'accompagnent dans ce projet, en l'occurrence la lunetterie Belle Optique, le magasin Mikado, la marque Panas, le rond Barbanco, Parc Pierre-Louis, la classe boutique, la Moumousse, le salon de beauté Beauty et l'Ilofia dont je porte les accessoires aujourd'hui, même si on va finir trop visible. Et bien entendu, merci à toi qui es en train de regarder cette émission-là, parce que sans vous-même, vraiment, pas d'accord l'émission. Si vous êtes branché lecture, je vais vous dire nous encore, nous avons une actualité gain pour semaine ça. C'est ça. La 27e édition de Livre en Folie est lancée. Livre en Folie, c'est plus grand foire du livre, plus grande activité autour du livre qui est en Haïti. Et ça se tient du 31 mai au 13 juin cette année. Même genre avec l'année dernière, Livre en Folie se déroule en ligne. Cela se passe sur les réseaux sociaux, mais surtout sur le site www.livreenfolie.com. C'est là que Wapka achète le livre pour yo Anissa. Désolé, il n'y a vraiment toujours pas moyen de se faire signer ce livre ou bien de se faire prendre une photo avec auteur nous aimer, c'est dommage. Mais on va quand même se réjouir que les livres sont là. Ils sont toujours à votre portée et surtout toujours gagner avec 40% sur le livre. Yo. Cette année, vraiment, pour les achats, organisateurs ont facilité la tâche. Le site est encore plus user-friendly, comme on dit. Mais en titre de rappel, il faut commencer par s'inscrire. Alors, monter sur ce site-là, il faut qu'on l'inscrit. À moins que sous son ancien ou t'es acheté l'année dernière ou un compte. Mais bon, si même j'ai avec moi ou oublié mot de passe-là, donc il faut encore repasser par cette case-là pour dégager pour qu'elle connecte. Et même j'ai avec l'année dernière, il y a différents modes de paiement. Tu peux toujours payer par code de crédit, les codes de crédit Visa et Mastercard, n'importe qui banque lié accepté. Ou qu'à payer tout avec code Unibank tout côté ou. Et moun ki pa gen aucun compte yo gen l'autre option pou yo sou mon compte Unibank ou ka fè tankou un retrait sou compte ça ou ka met entrer ou pa l'entrer numéro compte là etc avec des détails que y'a mandé ou pou ka fè un retrait pou ka paye directement à partir de compte Unibank ou moun à l'étranger ou ka acheter tout compte yo accepté mais anessa à cause de cause insécurité a pa gen livraison dans Livre en Folie anessa. Donc moun ki à l'étranger ka pa acheter faut qu'il gen moun ki ka récupérer livre pou li parce que livre les livres vont être disponible au bureau de communication plus à Delma 60 Musso et ça va pas être tout de suite donc si tu achètes le 31 alors si tu as acheté le 31 ou pas besoin de livre là même jour mais ou tu as supposé je nous appelle quelques jours après pour te dire que ta commande est prête donc faut que tu en appelles ça et en fonction de demande qui gagne son appel qui arrive dans une semaine comme ça. Et pour les gens qui sont dans les villes de province, les livres seront livrés dans les succursales de la Unibank. Donc, alors, dépendamment de province, dépendamment de quantité de succursales Unibank qui gagne, il y a fort qu'on est dans qui côté pour passer chercher livre pour là. Les ventes sont ouvertes depuis le 31 mai et a continué jusqu'à 13 juin. Donc, vraiment, pas attendre dernière minute pour aller acheter livre pour là. Et pas dire tout que vous ne pouvez pas comprendre qui vous voulez acheter. Vraiment, ça a déjà commencé, ça n'a pas tenu. L'invité pour aujourd'hui est Muriel Joseph. Elle a publié à la fin de 2020 son premier ouvrage qui s'appelle « Pareil à celle qui suit ma trace ». Mais je souterai le livre là couramment « Pareil ». Et il publie le livre là son nom « Muriel Mishma ». Entre-temps, Muriel a pris part à diverses activités littéraires. Elle a présenté son livre à plusieurs émissions. Je dis à lire avec moi sous plateau. On va parler de son livre, bien sûr, mais aussi de son expérience en tant que jeune auteur et le choix de son style littéraire parce que Muriel, c'est un monde qui écrit un roman érotique. Bonsoir Muriel, vraiment merci d'avoir accepté mon invitation, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Bonsoir Daphné, merci pour l'invitation et idem pour moi, c'est un plaisir d'être là avec toi. Pour commencer, je vais te demander de te présenter parce que les membres de son internet là, moi Muriel Mishma, moi Muriel Joseph, moi Fédé Fantasme, etc. Donc ça fait tellement d'appellations pour une seule personne. C'est intriguant. Oui, en effet. Et vrai nom, c'est Muriel Joseph. Et nos deux plumes, c'est Muriel Mishma.
Et puis l'autre nom, fait des fantasmes, Lady Fantasia, ce sont des noms que, bon, même bon, l'autre nom, bon, même qui est oublié, tellement bon nom. Donc, et c'est fan moi qui bon, moi, selon les gens, moi, écrit et texte moi, que moi, publié sur Instagram, et puis, yo, choisi bon nom, ça, yo. Et puis, si moi, fais un coup de présentation de moi-même, moi, fait 31 octobre 1989, moi, c'est Scorpion, moi, j'aime Scorpion en ville. Moi, c'est seule petite maman. Ok, mais par contre, papa, moi, j'ai l'autre frère est avec ça. Et moi, j'ai fait études classiques au collège Saint-Louis-de-Bourdon. Mais là, c'est bizarre parce que je ne peux pas comprendre que je ne peux pas te connaître parce que tu es supposé être une promotion après moi. Oui, exactement. Je me suis dit qu'on a gagné tout parce que je me suis fait partie de... Parce que tu es connu, tu es connu. Ouais. Et puis, j'écrivais aussi pour le journal de l'école. Oui, exactement. Référence. Juste, ah, oh, le bon vieux temps. Donc, et puis, moi... Moi, étudié administration publique à l'Université de Port-au-Prince, en même temps, je travaille à Radio Métropole. Mais le temps de Port-au-Prince, ça a beaucoup écriture à la donne. Oui, moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans. J'ai commencé avec des poèmes, des petits textes romantiques que j'ai publié dans le magazine. Et puis, j'ai arrêté pendant un bon moment, un très bon moment. Ce n'est qu'à l'âge de 26-27 ans que moi, j'ai commencé à écrire, mais cette fois de manière. Plus pimenté, je peux dire, mettez plus piment dans le texte, il n'y a pas seulement romantique, il y a érotique qu'on y a avec plus de détails, tout ça, parce que moi, j'ai vraiment épanouie sexuellement, et puis j'ai écrit des textes que moi, publié sur Instagram jusqu'à écrire ce livre. Mais justement pour le livre, tu as publié le livre en décembre 2020. Uh-huh. Mais Kounia, ça qui est intéressant, c'est que, faut-il parler de parcours, de comment expérience de publier le livre là, parce que je sais que pour les jeunes auteurs, ce n'est pas toujours facile. Donc, qui obstacle que tu as rencontré? Qui démarche que tu es obligé de faire? OK. Et le livre-là, avant tout, le livre-là, tu es prêt depuis bien avant le premier confinement, en quelque sorte. Oui, tu as annoncé Corona. Nous avons une première maison d'édition qui était, bon, à cause de Corona, parce que tout a été slow, rien qui était campé. Donc, moi-même, tout le monde était obligé de camper sur ça, pas tellement insister. Et puis après, je me dis, mais non, moi, tu as dit que c'est en 2020 que moi, je voulais publier le livre, il faut que je fasse ça. Et puis, malheureusement, l'autre maison d'édition qui a accepté. Et puis, bien sûr, même genre avec toute jeune, je n'ai pas de job. Et ça, l'air, moi, peut-être, permettre de faire tout parce que je ne sais pas si je publier le livre un petit peu sur oui, en Haïti. Faire le livre, ouais, c'est là qui est très exactement. Et puis, une chance pour moi. Étant donné que je travaille à Métropole et que je rencontre deux ou quatre des gens qui sont vraiment importants, je écris des lettres. Des sponsors, moi, des gens pour aider, voilà le projet. Et puis vraiment, je suis des gens qui aident, je suis des amis, des collègues qui aident, et puis c'est comme ça que donc, tu as fait ton livre à compte d'auteur. À compte d'auteur. Donc, mais qu'on a au final fait pour compte à faire gérer, à faire pagination, correction, etc. Ouais, moi, je suis un ami qui t'a fait correction pour moi, bien que c'était un monde qui vraiment occupé m'a dit, mais il était bon assez temps pour te faire correction pour moi, parce que tout pendant la période de confinement, étant donné que les médecins, donc, étaient vraiment en mouvement. Et c'est ça qui fait grand peu de monde qui fait au moins que l'on dit, ouais, plusieurs erreurs qui glissaient dans le livre-là. Mais bon, c'est sûr qu'à l'avenir, ça ne va pas produire. Et puis, moi, je suis un autre ami qui fait pas de couverture là pour moi. Et ceci gratuitement, page couverture que vous avez vraiment aimé. Et puis, il y a un photographe là, qui est un ami aussi, qui fait photo. Yo. Et puis, voilà. Et puis, on l'autre ami, mais de me faire résumer, hein, bien que c'est juste après. Je me dis, bon, pourquoi ça c'est résumé? Ça me démette parce que on ne parle pas assez de détails. Et vous avez l'appliqué comme si résumé n'est pas vraiment bon, vu les livres là. Mais bon, bref, je me dis, OK, là encore une fois, pour ce livre là, résumé à plus ou moins détaillé. Et puis, voilà, et puis, moi, payé par tranche. Bon, je serais pas besoin qu'on fasse payer, mais quand même, le livre est là. Oui, parce que justement, j'ai un dernier invité à me recevoir, tu as dit ça, que faire sortir un livre, ouais. Là, c'est son bac qui coûte, son bac qui demande de travail pour auteur, mais après travail auteur, pour finir écrire le livre, etc., il y a à faire édition, et après, il y a impression, et distribution, donc c'est tout un parcours. Ouais. Et... Exactement, tant que moi-même, c'est moi-même qui suis obligée à passer la distribution pour compte moi, parce que mes sont édition anti-gens conservateurs, d'ailleurs, ils n'ont pas mis non édition, hein. Donc du coup, le livre est venu auto-édition. Donc, chaque activité, vente signature, ou bien leur invité, non pas, ou bien comme si faire distribution, c'est moi qui suis obligée à assurer de tout ça.
Nous parlons de livre là, mais nous allons rentrer dans le livre là. Le livre s'appelle Pareil à celle qui suit ma trace. Est-ce que vous avez un petit résumé de qui ça au monde a besoin dans le livre là? Ok. Avant tout, la question que vous avez posée, c'est pour qui ça a deux titres. Alors, un titre avec un sous-titre. Parce que à celle qui suit ma trace, c'est le premier titre que j'ai choisi pour le livre là. Parce que j'ai dit que c'est le titre ça qui mieux explique le livre là en quelque sorte. Mais après ça me dit oh c'est ça tellement long donc si on décroche un autre titre qui est plus ou moins cool, il y a parlé de livre là, on peut pas obliger de dire à celle qui suit ma trace et puis monde qui corrige le livre là bah le titre pareil là mais que nous met tous les deux alors que tu as cherché pour picoude ouais met tous les deux parce que d'ailleurs on est plus dit pareil que à celle qui suit ma trace mais étant donné que me tirer mes premiers titres là moi quitte elle donc non pareil on va joindre deux mesdames. Alors, qui c'est deux maîtresses. Maîtresse, c'est une fille qui compte fréquenter avec marié, qui a expliqué vie sexuelle qu'elle a gagnée avec marié, comme si à quel point elle est épanouie, tout ça, il a raconté. C'est, en quelque sorte, c'est ça l'histoire. Mais là, justement, ses premiers livres, son livre érotique et son livre encore qui parlait de jeunes filles qui ont entretenu des relations physiques avec des hommes mariés. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est beaucoup pour un premier livre? Et est-ce que ce choix-là aussi a-t-il été motivé par peut-être un désir de marquer l'esprit? Parce que si ou t'es peut-être qu'on livre sur notre sujet, ou t'es gagné pas faire et pas que personne ne va songer. Est-ce que là, pour toi, aussi avoir ce premier sujet pour ton premier livre publié était comme une stratégie marketing, une façon de choquer et de marquer les esprits? Non, je ne crois pas. Parce que, par exemple, les gens qui me suivent sur Instagram, ils savent que je suis quelqu'un de très osé. Très, très, vraiment très osé. Donc, j'ai l'habitude d'écrire sur, par exemple, sur les homosexuels. Donc, j'en ai l'habitude, tu vois. Moi, toucher toute couche, tout sujet, pas rien de tabou là quand même. Donc, étant donné que moi, c'est un monde qui ose, moi, je dis que le livre-là, il faut qu'il ose tout. Donc, le livre-là, basé sur l'expérience personnelle, moi, parce que moi, j'aime le map écrit, moi, pas écrit que. Comme si de l'imagination, que bagaille qui passait dans l'imagination, moi, mais écrit, comme si pareil qui réel, qui concret. Parce que lui encore, puis bien, parce que le WAP écrit, bagaille qui basé sur vie personnelle, le lecteur y a retrouvé dans sa écrit. Parce que si on ne peut juste imaginer pour écrire, on décrit tous ces détails honnêtes, toutes sortes de sentiments, toutes émotions, toutes bagailles. Donc, c'est une raison qui fait que moi, j'ai écrit. Mais tu peux avoir un premier livre basé sur bon, des expériences personnelles, mais est-ce que vous pensez assez d'expérience pour gagner plusieurs livres? Ah, moi, comme moi, je fais plaisir à écrire tous les livres sur expériences personnelles. Moi. Là, ce serait trop. Mais moi, j'ai l'intention que l'autre livre, peut-être, je connais d'autres expériences que je fais, ou bien d'autres expériences que des amis, des gens de mon entourage font, que j'ai écrit sur eux. En Haïti, bon, d'après ce que ça me connaît, par contre, ouais, trop livres érotiques, bien, je me connais, oui. Ouais. J'ai plus, au moins trois dans la tête là que je me connais. Mais très souvent, les gens qui ont publié les livres, ils ont un seul livre comme ça, à la rigueur deux, ils n'ont pas persisté. Il y a des gens qui leur reprochent justement de ne pas atterrir dans leur description. Ils ont senti que bah, elle a manqué réel, manqué. Ou bien, les gens ne peuvent pas relayer, ils ne peuvent pas sentir qu'ils ont interpellé assez. Toi, est-ce que tu penses que tu as passé le test? Pas encore. Parce que il y a un peu de monde qui jugeait que le livre-là manquait piqué, comparément avec le texte sur Instagram. Et parce que le livre-là, pendant que je m'ai écrit, même le monde sait que je suis en relation avec lui, nous sommes venus rompus. Du coup, il y a un peu de monde qui m'a mis là-dedans encore. Qui fait que, et si il y a un livre-là, il y a une sorte de cassure un petit peu comme si on arrêt brusque qui fait. OK? Mais. Pour suite là, même si c'est pas comme si vraiment avec mon nom, mais c'est différent, tu vois. Mais parler de ça, ok, de on fait un livre érotique qui est en pile scène sexuelle là-dedans, ça c'est une. Mais en plus tout qu'on y a là, c'est en relation que une jeune fille a entretenu avec un monsieur marié, et puis qu'on y a là que ou d'accord que ou dit clairement que c'est histoire. Est-ce que tu n'as pas peur des jugements parce que après tout c'est des choses qui ne sont pas forcément acceptées. Oui, je sais. Non, je n'ai pas peur des jugements. D'ailleurs, c'est peut-être que une petite tête moins que m'a essayé retirer comme si hypocrisie ça qui gagne quand même yo. Parce que c'est pas connu que pas connu que la chose ça existait que gagne des hommes qui gagne des maîtresses tout ça. Si moi
tes maîtresses au monde pour que ça me pas dire. C'est pas comme si ou choisis vraiment comme si pour un même monde ça. Ou carrément plusieurs fois mais pas même monde là. Monde là OK il doit gagne madame ni que les mariés avec tout ça mais ça pas veut dire pourtant que pas carrément l'autre monde. Bien entendu, je ne peux pas encourager aucun jeune fille qui a un genre de relation ça. Parce que dans le livre, je m'explique tout que il y a un bon côté là-dedans, mais il y a un mauvais côté là-dedans. Parce que si je n'ai pas aucun problème dans le couple, je ne peux pas faire vivre avec moi. Je suis toujours à côté. Dans un cas, il faut chercher une vie pas. Tu vois? Mais il faut que je suspende, par exemple, des choses que je connais qui existent, et puis pour que tant que je n'ai pas de jambes qu'on fait. Sont hypocrites pour mon retirer la caillou. Bah, justement, ma prochaine question, je voulais te demander, est-ce qu'il faut chercher une leçon dans le livre? Bien sûr, parce que, et d'ailleurs, si ma petite partie tout petit dans le livre, il y a une madame qui était venue dans la place, et madame n'est mariée, et puis l'autre dame ça, qui s'est comme casée les amitiés. Oui, exactement, les bouches casées couplant. Et puis l'autre dame qui t'a comme mentor pour lui, l'a expliqué, l'a dit que non, tout ça, l'a expliqué par A plus B, mais pour qu'il soit pas qu'à faire un bagage comme ça. Donc, son livre qui a besoin de leçon là-dedans, il n'y a pas que du sexe. Et en termes de d'inspiration, mais en termes de modèle, est-ce que il y a des auteurs qui écrivent des livres érotiques qui inspiré ou bien est-ce qu'il y a un autre auteur tout qui genre qui d'où vient alors ou même ben c'est avant qu'on commence à écrire ou t'es qu'on lit tout donc qui qui sont lit qui est auteur ou senti que travail ou inspiré. OK. Inspiration pas sorti sur mon lecture parce que si m'a prend des exemples de livres, m'ka prend deux livres Ange Bélian d'Oyo que vraiment aimé comme les plusieurs et fois. Mon seul péché. Mon seul péché et ma mise est un homme. Et puis mais depuis très jeune, je m'intéresse tout comme si film à caractère sexuel. Par exemple, je regarde un film, où je ne suis pas brassé là-dedans, je n'ai pas de sexe là-dedans. Je ne suis pas intéressé, mais je ne suis pas trop arrivé sur moi, parce que j'aime ça. Donc, c'est quelque chose que je me dégage là moi depuis toute petite. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours été attiré en quelque sorte par l'érotisme, par le sexe. Donc, c'est ça qui fait moi qu'à dire que moi, je viens de gagner assez de talent pour moi qu'à écrire sur ça. Et donc, ça veut dire que vous voulez continuer dans l'ignée ça, tout? Ben oui, pourquoi pas. Oui, on passe ça. Donc, mais Kounia, là, on moun kap chache une raison pour aller dans l'Ivre Folie pour aller acheter l'Ivre. Qui ça m'a dit? Qui ça m'a dit? M'a dit que non seulement son livre kap aide l'épanouir sexuellement, parce que moun, parce que dans le sexe, c'est pas seulement faire. Parce que l'heure avec un monde ou un couple avec un monde, faut que innover tout, faut que chercher pimenter couple. C'est pas tout le temps la même chose. Faut chercher l'autre astuce, faut chercher des bails pour faire sinon ab gain routine et puis couple a confronter des problèmes. Donc c'est une raison qui fait moi équilibre comme si des bagages que on y a un petit. Sérieusement, on fait ça, on dit bien sûr, faut que chercher faire des choses. Pas qu'à tout le temps c'est bon, on va pas parler de position mais de soi missionnaire mais autre, mais il y a d'autres choses qu'on doit faire. Donc moi me dit mon ça que si on a besoin d'épanouir sexuellement, donc il y a intérêt à dans le livre, il faut acheter le livre. Si je regarde sur les réseaux sociaux, nous présentons tout comme un féministe. Ah oui. Donc, ou même pour, parce que j'ai un paquet de conceptions de féministes, etc. Ou ah. Même qui sont où elle et qui sont où vivent pour alors, dans la vie ou qui ça qui traduit le fait qu'on est féministe. Moi-même. Non, alors, dans ce sens-là, le moins dit que moi, c'est le féminisme. Comme si, moi, prends dans le sens que une femme qui est indépendante, une femme qui est responsable, une femme qui ne peut pas quitter un garçon, et comme si, marcher sur lui, je dis, c'est nécessaire, comme si, vraiment, vraiment indépendante, et qui prend des initiatives, qui veut, comme si, faire des changements. Qui voulait porter un changement dans le pays, hein? C'est dans ce sens-là que moi-même, je me dis que moi. Par exemple, je suis goûté là pour suspendre, considérer le sexe comme un sujet tabou. Parce que lui, le temps, il ça. Jusqu'à présent, pour un parent, pas qu'à faire éducation sexuelle petite, li, normalement, parce que je connais que quelqu'un qui essaie de faire. Okay? Donc, des femmes qui voulaient porter des changements, c'est dans ce sens-là. Mais où bâti tout ont une certaine popularité sur les réseaux sociaux, côté que vous êtes actif, et d'ailleurs c'est là que vous avez commencé à publier pour les bagages. Donc, pourquoi avoir fait ce choix-là?
qui ça motive? Et puis, est-ce qu'on sent que ça suffit? Parce que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui suivent, qui vous suivent sur Internet, mais leur bon produit pour acheter ou pas forcément paraître. Oui, exactement. Bon, je crois que avant tout, c'est 11 ans même qui te conseille de commencer sur Instagram, commencer à publier texte sur Instagram. Et puis, ça a marché. Il y a des gens qui ont pris mes textes, des gens qui ont écrit ma privé pour dire que faut que je continue et que j'aurai mes façons d'oser que moi écrire. Et je me dis, dans ce sens-là, moi, en quelque sorte, une influenceuse. Parce que le moins, dans ce que je fais, si je dis à des gens que je fais des choses, par exemple, si je vends nos produits, il n'y a pas acheté. Si moi, on me voit mon tour on s'amuse quand on nous produit me dit est-ce que vous voulez acheter le bail ça moi conseille nous acheter le yafel donc dans ce sens moi quand dit que moi on influenceuse parce que y a pas que sur moi sur Instagram d'ailleurs si on me monte sur page Instagram moi il y a pas que me pas même gain 10,000 abonnés mais qui pas déranger parce que c'est pas ça c'est pas nombre d'abonnés que moi gain parce que moi connais que l'homme fait pas son message sur page Instagram ou sur Facebook me connais que lui passer. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Et là, pendant que le livre a sorti depuis fin année 2021, depuis décembre, comme tu l'as dit, mais depuis le ça, tu as participé dans plusieurs événements où côté que ou signé le livre là, ou dans plusieurs émissions pour parler de livre là. Et est-ce qu'on y a là, on est genre plus de 7 mois plus tard, 6 mois plus tard, est-ce que qui ont senti le feedback là? Est-ce que vous pensez que le livre là, comme si que le livre a été bien reçu? Oui, jusqu'à présent, et je pense que le livre a été bien reçu. Bien sûr, il y a des gens qui font des petits commentaires, que jusqu'à présent, il y a des gens pour qui ça c'est page de couverture, ça, pour qui ça c'est sur ce sujet, ça, est-ce qu'on pas écrit sur l'autre sujet? Donc, tant qu'on aurait même dit, il y a des gens ça, mais je me suis dit jusqu'à présent, le feedback est positif. Plus j'ai des commentaires positifs que négatifs, sincèrement. Et en termes de vente, tu es satisfait tout? Je ne sais pas pourquoi je suis satisfait parce que je ne peux pas vendre toutes les vues à 750 gouttes. Il y a deux côtés moi. Il y a deux côtés moi aller. Ou du moins, il y a une activité qui est de l'école, je m'oblige à baisser le prix. Hein. Donc, en Haïti, vendre les vues, il ne faut pas vraiment faire l'argent là-dedans. Mais ce n'est pas vraiment un problème visé, c'est faire le message que je vous ai fait passer. Hein. Donc, on peut dire que quand même tu es satisfaite? Plus ou moins. Et. Ou bien l'intention de continuer à écrire dans la même ligne et ça? Oui, parce que je crois que moi plus doué la donne que dans l'autre. Bien entendu, moi pourquoi essayer vraiment écrire sur un autre sujet qui est différent? Peut-être que si mes CFL, moi qui dit que. Tu as saisi ou que. Justement, bon, mais bien pour aussi. Le moment, moi plus à l'aise dans le domaine ça. Dans fin livre pareil là, il laissait clairement entendre que à bon suite. Exactement. À qui point suite là? Est-ce que suite là est un fin écrit? Non, suite là faut qu'on fin écrit. Ni tout le monde le dit à qui point parce que même si j'ai l'homme annoncé que je dois sortir livre là, il y a tellement bonne chaleur puis après même que là sortir, je préfère pas dire dans qui point que lié. Sinon, moi j'ai toujours dit sur les réseaux sociaux que à cause de situation paysanne, moi j'ai stressé, bonne sorte de blocage que moi pas écrit vraiment ces temps-ci. Mais m'a fait en sorte pour le prêt au moins non faire moi même si c'est commencement l'autre année alors je voulais dire fin année même si c'est commencement l'autre année pour le que t'en prêt oui gain livre folie qui a fait là et justement livre est disponible dans livre folie livre folie sur grand fort côté que auteur yo gain chance pour rencontrer avec nous même si année ça li virtuel mais quand même c'est quoi ton appréciation de la fort et même si année ça livre folie a fait et en ligne il y a monde qui vraiment pas trop comme si je regarde quelque sorte le fait que la fait en ligne parce que j'ai fait contact avec auteur là tout ça mais pour vous ça vraiment vraiment un grand baptême de feu exactement que tu as un événement sur livre côté que c'est première fois pour ta planète exactement mais c'est peut-être moins que bon dans la vie on peut pas tout avoir si année ça l'a fait en ligne livre là au moins les participer là-dedans peut-être que l'année prochaine on a une chance peut-être avec suite là on a une chance et qu'un contact ça ensemble avec public là donc on va décourager OK donc moi invite tout le monde à acheter livre qui fait au plaisir pas seulement livre femme là OK bien que faut que nous acheter donc on va encourager on a ça participer dans livre en folie. Donc, ou même qui t'a regardé, par contre, tu as fait liste ou déjà, mais
m'espérer que Muriel convaincre pour que le livre parle là dans l'histoire. Muriel, ça fait un plaisir de t'avoir parlé. Merci encore d'être que tu as accepté l'invitation. Ou un dernier mot que vous voulez ajouter? Oui, pourquoi pas. Et le monde est assez stressant, le pays aussi. Il y a tant de choses. Il y a le kidnapping, le corona, tout ça. Donc, au moins, ce que vous pouvez faire, c'est être épanoui. Épanouissez-vous. Prenez soin de votre couple. Faites l'amour. Voilà, soyez heureux. Et voilà, nous sommes de Muriel qui t'a présenté nos livres et nous sommes de conseiller autour. En tout cas, si vous avez les livres et si vous avez gagné, je vous rappelle que les disponibles dans Livre Folie, vous pouvez monter sur le site www.livrefolie.com pour acheter les. Et avant d'aller, je remercie Gaël Alexis qui fait maquillage pour aujourd'hui. Je remercie tous les sponsors qui sont Belle Optique, Magasin Mikado, Mok Panas, Wombo Bankou, Poc Pierre Lui, La Classe Boutique, La Moumousse et le Salon de Beauté Beauty et tout gen Lilofia qui demande accessoires pour aujourd'hui. Et surtout, un grand merci à vous-même qui avez regardé dans le moment. C'est grâce à toi qu'on peut continuer à faire ça. Et je te donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission, encore pour parler de livres, de littérature et de toute bagaille ça qui m'espérait que c'est une passion commune entre moi et vous.